pomme. Il remonte beaucoup. On ne peut même plus traverser. En principe, Nam thuam ban nong sang dad si thong ban ai nam khun lai ili thuam ili jun phan bo dai thamada thang lang mon lut thim ni mi thang pai no le ka mi khua pin mai mu ni khua ka bo hin thang ka bo hin mi ta nam luk dieu บางบอนแดดกระแดดแห้งแล้งอยู่พี่น้ำหลายสมควรโอเคเดี๋ยวกูปลิกูเดี๋ยวบูชถ้าจุลิกลมุดça déborde jusqu'au pied de l'arbre. Voilà, ça c'est l'étang des Roussières. Les bois, voilà, ça monte, ça monte beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'étang des Roussières, voilà. Des Roussières. On a des prêles, voici les prêles, très jolies. Voilà. Et ça, c'est du plantain lancéolet. À côté, on a des pissenlits. Là. Et là, c'est la geisse. C'est comestible. Étant de la minière. Je vois deux oiseaux qui avancent vers moi. Je sais pas ce que c'est. On va regarder. Alors, c'est... On se dirait que c'est des grèbes huppées, mais je suis pas sûre. Alors... C'est des crêpes huppées. Trop mignon.
Cette année, on voit qu'un seul bébé cygne. Regardez ça. On en voit un seul. Je ne sais pas ce que c'est énorme. C'est pas une mouche. C'est pas une abeille. C'est pas une guêpe. Mais je ne sais pas ce que c'est. Tonya Eli. Je ne vois plus. Ah, si elle est là. Ah oui, je vois la partie orange. Voilà, là je l'ai bien. Si elle l'a pris. Si elle l'a pris ? Oui. Ah oui, alors vous avez la caméra, c'est le même lieu. La bonne destination ? Merci. Du pas du don. Vous verrez, bat, mais t'as qui tombe. C'est une orchidée sauvage. Ouais. Bon, bah voilà, on peut pas passer. Parce que c'est inondé, c'est tout. Peut-être que on verra pas. Je crois voir un tas bien de Sibérie. Il doit être par là. À moins qu'il est déjà parti.
Alors. Je vois rien du tout. Damien. Bon, voilà. Demi-tour. On ne veut pas passer. Une arme, pomme. Deux. Une bête. Une en bas. Pour. Foulk. C'est normal. Que ma pengue. Te poin to. To luk no. Et to nyai. On voit pas le petit. Est-ce qu'il est le bébé? Le bébé, il est là, il se cache dans l'herbe avec sa maman. Tout mignon. C'est le papa. Ils sont à 2 mètres de moi.
ท่วมมาทางพี่กระท่วมครับฝนตกตลอดหลายมือแล้วหลายที่แล้วทั้งการประท้วงรถไฟบ่มีรถไฟบ่มีรถบัสน้ำก็ท่วมคักอื Le site des étangs de la minière. On voit aussi des fleurs, des étangs pourpres. Et voici la mélisse, une plante calmante. C'est pour aider à s'endormir, c'est-à-dire, je sais plus. C'est pour les gens qui ont des problèmes de nerfs, des pressions nerveuses. C'est une plante calmante, quoi. Ça sent comme un peu comme du citronnelle, citron. C'est très bon pour les gens qui sont stressés, énervés. Voilà. Ça, c'est une plante médicinale. On est toujours au site des étangs de la minière. La famille Foulque. Voilà, s'il nous l'est partout. Ah. Trop mignon. J'aime ça. Oh. Trop mignon. On voit le champignon. Je ne sais pas ce que c'est comme champignon, mais ils sont bien visibles. Alors, on va voir de près. Et voilà. Il y en a aussi en bas. Elle. C'est une plante médicinale. Ça soigne les articulations. Voilà, voilà, il y en a quelques. Ici, on a des lamiers blancs. C'est une plante médicinale. Ça ressemble un petit peu aux orties, mais ça pique pas. Là, il y en a un autre là. Voilà. Sinon, les orties, elles sont juste à côté, là. Voilà. Ça, c'est les orties, ça pique. Des poules d'eau qui se cachent là, derrière les branches. On a aussi les bambous. Voilà, des bambous. Ça se mange, c'est comestible. Très jolie fleur. Mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. On a un papillon. Voilà, il est là. Bouge pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une mouche. C'est une géranium herbe à Robert. C'est une plante aphrodisiaque. On va dire. Géranium, herbe à Robert. Ça, c'est une ortie. Ça pique. Plein de vertus.
Très bon pour la santé. C'est comestible. Et elle a une odeur comme des haricots verts. Si je ne me trompe pas. Magnifique. Dans l'eau, le temps des poussières à Guyancourt. C'est une idée, le monde. Beaucoup.